sur le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date, je crois, aujourd'hui, 21, dimanche 21, pratiquement 6h, 7h moins à ma montre. Je suis juste devant le centre d'écoute. En fait, c'est un cabinet d'écoute. Nous avons maintenant désormais à Divo Vide, un cabinet d'écoute pour prendre le temps d'écouter des gens et les aider parce que le prophète, c'est un consultant. Voilà, vous avez un problème, un souci. Et nous, nos spécialités, c'est la destruction des œufs de la sorcellerie. S'il y a un problème de sorcellerie dans ta famille, dans ton village et tout ça, que tu aimerais, n'est-ce pas, rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Nous sommes à Divo Vide. Divo Vide, c'est un cabinet d'écoute. Et nous avons notre centre de délivrance pour les malades à Zaroko. À Zaroko, voilà. Et il y a un grand événement cette semaine. Nous avons un grand événement, c'est que la battue du 24, le mercredi, jusqu'au dimanche 28, nous avons une retraite spirituelle. Jésus-Christ délivre tous les jours. Et il y aura des sous-thèmes tels que comment maîtriser les esprits des temps. Nous sommes dans les mois les plus dangereux de l'année. Septembre, octobre, novembre et décembre. Ce sont les mois les plus dangereux de l'année. Donc nous allons vous révéler les choses les plus cachées, les mystères, les temps. Pourquoi septembre? Pourquoi les esprits sortent en septembre? Il y a deux mois dans lesquels l'ennemi travaille beaucoup. À partir de septembre et octobre, c'est des mois de programmation. Les exécutions commencent à partir de novembre et décembre. Pour ça, vous allez voir que beaucoup de mortalités à partir de novembre et décembre s'en coulent. Donc, il faut essayer de parler de ça. Et cette semaine, il y aura beaucoup d'actions prophétiques. Cette semaine, nous allons positionner les actions prophétiques déjà et déprogrammer des choses sur des gens. Il y a aussi Daisy, champion, qui sera avec nous. Il est pasteur. Il est pasteur, il a une grande église à Yopougon. Il a une grande, pasteur, une grande église à Yopougon qui sera avec nous par la grâce de Dieu. Et la Toque Resmino revient encore par la grâce de Dieu. Donc, écoutez bien l'événement. C'est qu'on aura aussi un concert avec Lato et Daisy. Voilà, Lato et Daisy. J'en profite pour dire merci. Merci à Augustin. Augustin qui n'aménage pas d'efforts pour m'aider. Augustin, je te dis, fais un grand coucou. Voilà, tu fais un grand coucou. Tu es vraiment un homme de parole. Et depuis que depuis que je t'ai rencontré, vraiment, il y a beaucoup de choses. Tu m'as vraiment touché mon cœur. Voilà, cette voiture, c'est à la patrie Augustin. Voilà, Augustin. Voilà, donc, quand j'ai un souci de voiture, c'est lui qui me passe les voitures. Quand ma voiture a un problème, c'est lui qui me donne ses voitures, ses véhicules. Augustin, merci. Il nous a donné aussi des ordinateurs. Il nous a donné des ordinateurs, merci, pour les ordinateurs que tu viens de nous offrir. Il a encore pas mal de choses dans le cœur. Augustin, que Dieu te bénisse. Voilà, donc, nous rentrons pratiquement pour un travail ce matin. On dit quoi ici? Le centre. Prochainement, c'est le cabinet. Voilà, on va changer l'écriture parce que ça, il va y avoir une confusion. Entre centre de Zaroko et centre de Divo. Ce n'est pas un centre, c'est un cabinet. Cabinet d'écoute. Voilà, donc c'est les choses qu'on va changer en semaine. Bonjour. Elle est quoi, elle a raison de vous? Yanni. Je suis venue à un magasin.